la ficelle. Putain, elle a un cul de ouf, la meuf. Hey, mademoiselle, tu me la prêtes ta ficelle, j'ai plus de fil dentaire. Allez, s'il te plaît. Oh, vite, la talindée, ce qui arrive, là. Hey, mademoiselle, si je t'offre un thé vert, tu payes ton massage. J'ai un bungalow à deux pas d'ici. Oh, bah, je vous gueule, de toute façon, c'est une fourche à pain. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, ferme ton cul, je me fais plus de morts que vous d'aurez eu. Ouais, super. Clairement, attends un peu, c'est toujours moi qui dois chiner les meufs. Bah ouais, t'as raison. Puis de toute façon, toi, tu vois pas une fille. Fais voir. Vas-y, laisse faire les experts, tonton. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, oh, vous êtes charmantes à croquer aujourd'hui. Eh, c'est quoi? Quand tu seras assez pour te raser, tu me fais signe. Ah, espèce de crevard. Tu vois pas que tu viens de te faire, sèche comme une merde. Vas-y, lâche l'affaire. Allez, tu la niqueras jamais, t'es un bouffon. Écoute bien, c'est pas moi qui suis en galère depuis un mois déjà avec les meufs, ok? Je t'aime bien au pire, d'accord? En bon. Galère? Ouais, je te rends avec toi. Non, enfin, c'est ça. D'accord, ouais, c'est ça. T'as vu la nana? Arrête. Tu vas où, là? Qu'est-ce qu'il va, mademoiselle? Tu sois à la rescousse. Ça va? Sans sale regard. Je suis désolé. C'est pas grave. Je peux t'aider? S'il te plaît. Ah, excuse-moi. Je sais pas trop comment ça. Ça va, là? Quoi, j'ai l'air, là? Attends, je vais te montrer. Fais un petit sourire. Oh, mais t'es encore plus naze pour ça que pour draguer les filles. Ah non, mais c'est pas ça, c'est mes potes qui déconnent. Ouais, bah ils sont pathétiques. Mais t'as des super beaux cheveux, pourquoi t'es obligé de les cacher sur ce truc? Ah, mais personne ne m'oblige, c'est moi qui l'ai voulu. C'est dommage, parce que t'es vachement jolie. Bah merci, mais... Ça veut dire que je suis pas belle avec mon frigel? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toi et tes potes, vous connaissez que d'elles, enfin. Mais pourquoi vous leur parlez comme ça alors que vous savez pertinemment qu'elles aiment pas? Moi, si je vais être jolie, bah, c'est pour moi. Et quand je le porte, bah, j'ai le sentiment d'avoir une foi, une identité. Je me sens bien et je pense que c'est aussi ça la beauté. Bah, explique ça à tes potes et peut-être qu'un jour, qui sait, ils arriveront à se serrer des meufs. Hein. Bon, faut que j'y aille. Tu vas où? À la mosquée. Tu peux me... Merci. Et au fait, merci de m'avoir aidé. De rien. Mais t'as craqué ou quoi, toi? Quoi? Je suis heureux, toi, maintenant. Mais t'es un ouf. Si tu la touches, c'est où ça va? Personne qui s'écrase dans ta face. C'est là. Ouh là là, hé, hey, mademoiselle, hey, cherchez pas, je suis là. Mademoiselle, hey, t'es en retard, là? Mais attends, ça fait une heure que je t'attends, moi. Franchement, je sais pas ce qui se passe, on est là, on est posé, on est beaux gosses. Moi, je te dis, y'a rien à faire. Ouais, mais non, y'a rien à faire. Qui m'a aidé tout à l'heure. Bonjour. Je m'attendais pas à te voir ici. François.
Moi, c'est Zarka. Ça va mieux, tes mains? Ça va, ouais. C'est très gentil à vous de l'avoir aidé, hein. C'est normal. On s'en va par là, vous venez avec nous? Vous êtes étudiant? Oui, en histoire. C'est très bien, mon garçon. C'est très important de connaître son histoire. Ma Zarka, moi, elle veut être journaliste. Au journal du monde, hein. Elle veut parler de la France. Mais de sa France à elle. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.